Bienvenue. Nous sommes le 31 octobre 2013, le jour des morts. Ce soir, c'est un voyage au fond de la peur que je vous propose. Un instant diabolique de mort, de mélange de chair animale et humaine. Un voyage dans l'horreur. Êtes-vous prêt à visiter les tréfonds de l'horreur avec moi? Allons-y. Attendez. Attendez là. Deux secondes. J'ai comme un doute là, attendez. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça... J'ai l'impression que ça ne marche pas. Attendez, juste deux secondes. J'ai un violent doute là, attendez. Déjà, je n'ai plus le chat. C'est magnifique. Ah non! Ah non, pas de problème technique, je vous en prie, quoi, non! Ah bah non! Ah bah non! Bah alors là, ça foire complètement mon effet, quoi. Ah, je suis ridicule. Non, mais coupez la musique, attendez, pause. Coupez cette musique, déjà. Coupez cette musique, s'il vous plaît. Ok. Bon, ensuite, j'ai effectivement plus de deuxième écran. Bon, ça, c'est pas grave, on s'y attendait, hein, vu que ça n'arrête pas de bugger aujourd'hui. Ah bah non, mais alors là, ça foire complètement mon effet, quoi. Non, mais c'est pathétique, je suis ridicule. Non, mais attendez. Hey, j'ai plus de chat, hein. Ah, c'est génial! Ah non, ça n'a aucun sens! Ah bah non, c'est une catastrophe! Oh là, mais non! Mais c'est ridicule! Bon, attendez. Alors du coup, si j'essaye de faire ça maintenant. Hop là. Et si j'essaye de faire ceci. Alors attendez, ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est la technique, c'est génial. Oh mais non, vous essayez de faire un effet, de faire un truc qui sauce un peu les gens. Et voilà comment ça se termine, c'est pathétique, quoi. Mais non, je suis contre. Oh là là! Oh mais je suis d'une telle déception. Ah, écran noir, quoi. Ah non, c'est carré. Ah bah non, 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 non. Ah si, maintenant, attendez. Et si je fais ça? Ah non, il n'y a plus rien qui marche. Ah oui, carrément. Oh putain, mais non, mais c'est pathétique, quoi. Quand vous voulez que je fasse un stream s'il n'y a pas le chat? Déjà, c'est mort, quoi. Pfff. Attendez, si je fais ça, bon, ok. Ensuite, ça, bah non, ça c'est sur le mauvais écran, c'est génial. Et ensuite, si je fais ça... Ah bah ça sonne pas... Oui, bah si, bon, là c'est bon. Alors du coup, j'ai pas le chat, c'est ça? Participer à la cour, hein, des légendes. De... C'est le but de n'importe quel cavalier. Les meilleurs y seront présents. Les phases de sélection sont très difficiles. Attendez deux secondes. Avec Altaï, je n'ai pas peur. Je sais qu'il est capable de nous porter jusqu'à la victoire. Tu es prêt, Altaï? C'est marrant, ça ressemble pas à Amnésia, ça.
C'est pas censé être des cochons déjà. J'avais lu que c'était des cochons. Bon, ça a le côté graphique d'un Amnesia, c'est pas le problème. Mais... attendez. Bon, on va finir le tutoriel, on va juste être sûr quand même, parce que là, je crois que j'ai un doute. Ah, j'ai bien fait... Non, je me suis fait des répertoires pour chaque fête de l'année, avec les jeux qui vont avec dedans, donc là, j'ai pas pu me planter, non, j'ai mis Amnesia. Il n'y a pas 40 jeux qui commencent par être... Non, attendez, c'est bon. Pardon, je vais vérifier. Deux minutes, hein. On finit le tutoriel, je vais vérifier ça, ne paniquez pas chez vous. J'aime pas que ça s'affiche, parce que comme ça n'arrête pas de planter aujourd'hui. Attendez, on va vérifier, hein. Ne bougez pas, gardez votre calme. Il y a dû avoir un plantage. Alors, il y a dû avoir un plantage, hein. Gardez votre calme, hein. Alors attendez, j'appuie là-dessus. Je ne vois pas le chat, c'est normal. Attendez, c'est un bug tout con à mon avis. Il y a dû avoir un truc. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier, deux secondes. Merde. Oui, non, ok. Non, ok, non, c'est moi. Oui, non, ça c'est le truc que j'avais prévu pour la Saint-Valentin, ça en fait. C'est moi. Ok, en plus j'ai pas le chat. Ah non, mais ça va être bien. Non, non, mais c'est cool. Non, mais c'est bien. Ah si, là je l'ai, ok. C'est quand que le cheval se tape la cavalière? Alors je ne sais pas. Hein. Non, non, mais bon, ben. Si je suis coincé que j'ai pas le chat, en plus ça va être compliqué quoi au bout d'un moment. Comment on peut gérer ça? Ah là, attendez, j'ai peut-être une idée. Alors je sais pas si ça a marché. Mais j'ai peut-être une idée. Alors on peut vérifier toujours, hein. Ça coûte rien d'essayer. Hein. Nouvelle technologie de l'information, tout ça. Ça parle de vaseline aérodynamique, hein, j'aime bien. Je soutiens ce genre de choses. Bon. Lily a été formidable. Bon. Ok. Elle va donc pouvoir participer à la Coupe des légendes. On panique pas. Plus le cheval a des yeux qui me font très peur, hein, accessoirement, hein, je veux pas dire. Alors. Non, mais on est coincé avec ça, on est coincé avec ça, hein, on va le tenter. C'est hein, que se sont lancés Liam et sa famille. Cela fait quelques années maintenant qu'ils se sont installés dans la réserve de Wild Mountain. Liam m'a invité. J'arrive, hein, deux secondes, j'appelle Mr. MD. Repeupler une réserve naturelle ne doit pas être de tourpeau. Mais quelle chance de passer ces journées avec des Mustangs à l'état sauvage. Maintenant que j'ai un peu de temps libre, je vais enfin pouvoir les rejoindre et leur venir en aide. Depuis qu'un éboulement a eu lieu dans la réserve, ils sont surchargés. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir observer des chevaux sauvages. Non mais il y a un scénario au moins, faut pas être de mauvaise foi les gars, attendez. Soutenez un peu le produit quoi. C'est quand même classe. Je veux dire, faites un effort. On peut, regardez, les écrans de chargement sont bien en plus. Non mais attendez. Bon, bougez pas. Non mais il faut pas s'énerver comme ça non plus, c'est que je suis con quoi. Ok, c'est pas le truc que je vous avais promis, d'accord. C'est pas exactement ce qu'on avait marqué sur le papier. Mais ça sert pas non plus à quoi de faire tout un drame maintenant. C'est bon, c'est un jeu, voilà. J'ai l'impression d'avoir foiré un peu mon ambiance maintenant. Là, je suis frustré, c'est tout. Ce sont vraiment des chevaux magnifiques. C'est qui ces deux couillons ? Les sont l'une des races les plus puissantes et farouches au monde. Toi, tu veux te la faire ? T'as vraiment de la chance, Liam. C'est génial de vivre ici. Liam, il veut totalement se la faire. On a beaucoup de travail pour repeupler cette réserve naturelle, mais on en est très fiers. C'est vraiment dommage que mon départ soit prévu pour bientôt. Oh. Avec les compétitions équestres et mon rôle de porte-parole, je ne pense pas revenir ici avant un petit moment. Arrête de mater ces nichons. Oui, je comprends. On est d'accord, il avait totalement les yeux sur les boobs, là. Bon, je vais rentrer, tu viens? Oui, oui, je vais finir de me caresser un peu dans les herbes, je te rejoins ensuite. Très bien, si jamais tu as besoin de moi, tu m'appelles sur le talkie, ok? Le talkie? Il date de quelle année, ce putain de jeu? C'est quoi cette merde, au fait? Alors, rejoindre ton cheval, Altaïr. Ok. Comme quoi, Assassin's Creed, hein, ça avait mal commencé, quand même. Est-ce qu'on peut jouer avec ZQSD? Non. Est-ce qu'on peut jouer avec les touches fléchées? Non. F2 pour afficher la carte. Il faut que j'aille chercher Altaïr près de l'eau. Ok. Ou Armand, hein. Armand, c'est pas mal aussi. Putain, c'est un jeu open world! Les mecs, on est saucés, c'est Assassin's Creed. C'est de l'open world, c'est génial. Il y a des séquoias, ça me rappelle mon ex, ça. Attendez, parce que du coup, je vais être obligé de faire des altabs régulièrement pour voir le chat, hein. Ah ben là, oui, je vous confirme que ça fait peur, hein. Tout ça, c'est de la terreur à l'état pur. J'ai dit quoi? Pute? Oui, oui aussi. Donc,
Alors que ça dessine des anus sur Twitter, hein, je sens encore une fois, hein, je rappelle les paroles de Xavier Dong qui disait « On a le public qu'on mérite ». Donc, avec quoi, on va laisser tomber, je vais faire des alt tabs pour regarder le chat à chaque fois, ça n'est pas grave. Hein. Le royaume de la peur, l'ombre, tout ça. GTA 6, Skyrim, oui, le talkie, oui. Ah, Jin Deathwalk, bah, salut à tout le monde. Hein. Ah, vous savez quoi, on va faire des alt tabs régulièrement pour lire le chat, donc vous en faites pas. Tout ça va se passer très calmement, à base de base. Hein. Alors deux secondes, parce qu'on m'écrit, hein, alors je reçois des messages par dizaines. Salaud, enculé, c'est toi qui as pris l'argent de Zerator, donc déjà non, hein, ça je vous rassure. Pourquoi il n'y a pas Amnesia, t'es vraiment qu'un con, va jouer à Dead Space. Donc voilà, le public, hein, le public est en forme, le public est bien, le public est là, et je vous remercie encore hein, de passer Halloween. Ça montre bien hein, que je dirais que le niveau moyen de Twitch, eh bien, c'est bien semblable à ses utilisateurs hein, qui le soir d'Halloween sont 90 à me regarder jouer à un jeu de merde. Vraiment, encore une fois, on a le public qu'on mérite. Alors, des SMS, ça aussi, je vais y répondre. Hein. Oui, Melinda, je te remplirai tous les trous le 24 septembre prochain. Non, ça a l'air de... non, excusez-moi, ça c'est perso, ça n'a aucun rapport, ça c'est pour mon boulot dans les cabarets transformistes. Un instant. Hein. Voilà, hein, ça c'est bon, hein, voilà, c'est pas de problème. On reprend, hein, on reprend. Allez, on est parti. Découvrons cette carte, découvrons notre chevel, découvrons un gameplay rempli de surprises. La flèche indique l'objectif, hein, donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de sérieux. Si tu oublies ton objectif parce que t'es trop conne, tu appuies sur F1 et tu dois rejoindre ton cheval allemand, Armand. Ok, ça c'est vraiment si tu es conne. Hein. Alors on note que la vitesse de course est pas mal, hein, le petit bouti remue bien, ça au moins c'est le fait de gagner. Est-ce qu'on peut contrôler la caméra avec la souris? Eh ben non. Est-ce qu'on peut jouer avec ZQSD? Eh ben non, on doit y aller avec les touches fléchées, comme si on avait 4 ans et demi, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut sauter avec Space? Non. Est-ce qu'une autre touche, à part les touches fléchées, existe? Oui, il y a Shift qui permet d'avoir la marche qui fait rouler le boule. Mesdames et messieurs, la marche qui fait rouler le boule. Oui, on a compris, pétasse, qu'il faut que tu le cherches, ton canasson. Donc on va y aller, hein, parce que s'il y a que ça pour lui faire plaisir... Attendez, pause. On va peut-être donner des délicieux fruits. Bouffe les fruits, salope! Remplis ton t-shirt de jus! Très bien. Donc on va aller chercher eh bien, notre cheval, hein, Armande, qui est en train de boire, hein, je suppose. Ou alors peut-être qu'elle est en train juste de profiter des embruns pour se mouiller. Au moins ça fera une personne mouillée dans ce jeu. Liam nous appelle sur le talkie, malheureusement il n'y a pas eu le budget pour les voix, hein, donc on va être obligé d'y aller en texte. Lily, tu m'entends? Oscar s'est blessé, je l'ai suivi jusqu'au plateau. Oscar, ah non, c'est un poulain de la réserve. Viens m'aider, salope, ou alors tu n'auras pas droit ton cou derrière l'oreille ce soir. Romantisme dans le milieu du jeu vidéo. Comme quoi, Mass Effect n'a rien inventé, et maintenant, nous allons monter un cheval. En Alsace, c'est une pratique commune, on appelle ça l'amour. Donc, appuyez sur Alt et en s'approchant de lui. D'accord. Montez, en appuyant sur Alt, c'est fait. Maintenant que cette première séquence de gameplay est passée, je vais aller voir hein, ce que dit le chat, hein, car c'est important que cette émission soit interactive. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule dans le game, hein. Ça c'est cadeau. Atmosphère Alsace édition, vous n'êtes pas prêt, hein, monsieur Nick Master. Psycho qui nous dit salut, salut Psycho, salut, salut, salut à tous. La joie dans le milieu du jeu vidéo, joyeux Halloween, bande de jeunes motherfuckers. Donc, continuons, hein. Alors attention, il y a des panneaux. Puisque nous sommes dans un jeu pour filles, vous noterez que les panneaux sont en rose. Et comme on est dans un jeu visiblement pour filles, vous notez que je n'ai même pas le choix d'aller regarder les putains de panneaux. Est-ce que vous foutez de ma chatte? Je suis autoguidé, je ne peux pas me cogner contre les murs. J'ai l'impression de journer un fucking burn-out. Donc, alors, là, il y a un truc avec une flèche et là, il y a un truc avec... ok, bon, comment on saute? D'accord, on ne saute même pas en appuyant sur un bouton, ça le fait tout seul. Vas-y, sale bête, bouge ton boule, remue ta croupe, montre-moi tes cheveux. Ça me rappelle mon ex-portugaise qui avait le cul un peu poilu, elle avait un peu une queue de cheval comme ça aussi. Donc, vous noterez, hein, encore une fois, que je n'appuie même pas sur une touche pour sauter au-dessus des obstacles. Ça demanderait de l'interactivité, et on est contre, hein, dans le monde merveilleux d'Ubisoft. L'interactivité, c'est pour les pauvres et les mecs de gauche. Donc, eh ben on continue, hein. Vous noterez que pour l'instant, le gameplay est totalement passionnant. J'ai l'impression de rejouer à Red Dead Redemption. Ah, ça y est, j'ai trop forcé le cheval, donc maintenant il va à 2 à l'heure. Faudrait quand même pas que le gameplay devienne trop épique non plus, hein. Il faut se retenir de temps à autre, hein. Too much is too much. Je ne vais pas pouvoir passer par là. Eh ben, tu bouges ton boule, c'est des pierres
qui font 3 cm de haut, essaye d'en branler une, Josiane, fais semblant de t'intéresser un peu à ce qui se passe. Hein, et pas à ton Jim Slim avec ton Tokiwoki qui n'est pas sans nous rappeler les grandes heures du bebop accroché à ton gros cul, s'il te plaît. Donc, hein, là, il y a du sentier, hein, le sentier, hein, comme dans les premiers arrondissements de Paris, si vous vouliez acheter un jean ou un machin comme ça. D'accord, donc, je ne trouve pas, hein, je suis pourtant la flèche, tout le monde est témoin, donc maintenant la flèche est vers le haut, donc on va suivre la flèche. Il n'y a pas de problème, ne paniquons pas, d'accord. Il me fallait absolument sauter autour de ce machin-là, il n'y avait pas moyen de faire un détour. Et voilà notre pauvre comte Liam. Comment tu vas, le god Michel à poil long? Qu'est-ce que tu branles? Oh, ça c'est de la musique qui fait peur, ça. Je ne sais pas comment il a pu se faire ça. Il faut qu'on le ramène au ranch, Chili. Ma mère saura le soigner. Oh non, pas ta pute de mère. Elle va encore nous parler de son arthrite, s'il te plaît. Enfin, je vais essayer. J'espère que tu vas te prendre un coup de sabot dans la gueule et que tu vas finir ta vie défigurée. Poufias! Donc, alors, on est parti, faisons-nous plaisir. Toi, tu as des yeux qui ne sont pas sans nous rappeler les extraterrestres ou le clip E.T. de Katy Perry. Deux choses qui font peur, encore une fois, toute la fée, la soirée Halloween. Hein. Allez, pauvre Oscar. Oh non, il a pas l'air content, Oscar. Il a l'air d'avoir tout peur. C'était caché! Mais tu vas le bouffer, ce putain de cheval! On le rappelle, 16 poivres, moutarde, sauce Worcester. Ah, alors attendez, je dois masturber ma souris. Voilà quelque chose que je ne m'attendais pas forcément à faire ce soir. Hein. Et ça me rappelle cette scène de Mass Effect avec une suicidaire, c'est un peu le même genre. Répondons à son enthousiasme. Ok. Non, ok, c'est pas ce qu'il fallait faire. Encore une fois, il faut que je masturbe ma souris. Beaucoup de masturbation ce soir, hein. C'était un peu ça Halloween aussi, les costumes de pute et la masturbation. Elle tente une parade nuptiale avec le cheval, c'est une technique inédite, pourquoi pas? Je suis prêt à tout entendre. Attendez, je vais commencer, pardon. Non, parce que là, ça devient intéressant. Vas-y, vas-y, ma grande. Oui, je veux une caresse, hein. Ça y est, je suis presque ton ami. Oh, mais moi, je m'intéresse pas à ton amitié, hein. Allez, vas-y, caresse ce gros museau, hein. J'aime bien quand le museau il est un peu humide, hein, coquille, hein, hein. Ah, excusez-moi, je viens de recevoir un tweet de Marleur. Excusez-moi. Donc, reprenons hein, le cours normal de ce jeu vidéo, c'est important. Maintenant qu'une grosse séquence de gameplay vient de se passer, on peut faire une petite ellipse temporelle. En attendant, avant de faire cette ellipse temporelle, il est important de lire les réactions du chat. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est épique à défaut d'être épique, hein, Calice, toujours dans le jeu de mots, hein, ça va loin. Ça parle du sentier, Jesus Scott, hein, bien sûr, sauter dans le ravin, des idées. Ce jeu est censé faire peur, ah bah ce jeu me fait peur. La bouteille de schnapps avec quel goût je carbure à la cocaïne, hein, je vous rassure. Hein. Ça devient dégueulasse, ça l'a toujours été. Hachi Parmentier, on est totalement d'accord. Ce jeu est aussi dégueulasse que Robin Singh versus Touchain, il faut quand même pas déconner non plus. Donc reprenons le cours de cette saloperie zoophile, puisque vous êtes là pour ça, hein, bande de connard voyeur, votre quota wash joue à vous. Hein. Liam vient juste de me raconter tes exploits, approcher facilement un poulain sauvage, c'est tout simplement impressionnant. Il n'y a pas que ça d'impressionnant, chérie, il y a aussi la taille de mon clitoris. Pourquoi tu te mets en avant comme ça? Pourquoi tu donnes des coups de bassin en ma direction? Est-ce que c'est une parade nuptiale, espèce de vieux pervers? Grant, mais qu'est-ce que tu fais là? Et bien, visiblement, il se touche. Saluons les poules à l'arrière-plan, hein. Big up aux poules. Et l'indicateur de sel, hein, qui visiblement, ils n'ont pas pu attendre la fin de la gameplay, de la cutscene, avant de le faire apparaître. Pourquoi pas, hein, quitte à faire de la merde, autant la faire jusqu'au bout, et nos amis d'Ubisoft l'ont bien compris. Je finissais le tour de la réserve pour vérifier l'état des chevaux. Et ben écoute, fais la révision des 3000 km, connard. Depuis que j'ai arrêté la compétition, j'ai beaucoup de temps libre, et Sarah m'a demandé si je pouvais les aider ici. Sarah, c'est une jument qu'il se tape. Hein. En tout cas, j'ai bien joui pour le poulain. Ah non, en tout cas, bien joué pour le poulain, autant pour moi. Oh, je ne sais pas vraiment comment j'ai fait ça. Ah bah peut-être qu'on va découvrir que tu as des pouvoirs magiques. Suffisait de le dire, tu as un don, Lily, tu as un don. Hein. Rejoindre Sarah, l'attend avec Liam, vétérinaire, j'en ai rien à foutre de ta vie. Bourriner ça, je veux du gameplay, mesdames et messieurs, c'est tout ce que je demande. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des trucs, hein, c'est peut-être des collectibles. Quelles informations veux-tu contacter? Des plantes, les fruits, les équipements de cheval, les accessoires de soins, les statistiques. Accessoires de cheval. Oh putain de dieu, j'ai 5 gants sur 6. On est déjà à 90% du jeu, hein. C'est une sauvegarde, là, on l'a pris le jeu en cours, hein, je vous rassure. Vous vous doutez que je joue à ça 40 heures par semaine, c'est le jeu de la vie. Comme vous pouvez le constater, les contrôles sont ultra responsifs. Vas-y,
Vas-y, Joe, vas-y, fonce. Non, non, fais-nous ta petite marche nuptiale. Regardez-moi ça si c'est pas sexy en diable. Ah, moi j'achète totalement. Il y a des jours, je voudrais être un Tokiwoki. Donc, équipement de la selle. Les rennes. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose de sadomasochiste qui serait pas mal? Rennes noires, c'est pas dispo, faut les acheter séparément. Ok, tu me mets du bleu, hein, parce qu'on est quand même pas des tafioles. Hein. On joue à un jeu de vrai. Mais moi, tout ça en bleu, je ne veux pas ressembler à une gonzesse. Donc, c'est important, quand on joue à Alexandra Lederman, de préserver eh bien, sa volonté d'homme, hein, sa domination sur le jeu. C'est le mec qui décide, c'est personne d'autre. Donc, on va y aller à pied, hein, parce que là, on va quand même pas y aller en cheval, je veux dire, ce serait ridicule. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut visiter? Est-ce qu'il y a des trucs sympathiques? Ah là, il y a la pupute et le gars de Michel à poil long, ils sont là. Hein. La pupute qui n'a pas du tout des faux airs de Lara Croft, mais version Nickelodeon, hein, soyons d'accord. Oh. Je suis certain qu'on pourrait prendre les lignes de ce jeu et en faire un bon petit film porno. Hein. La boule magique, hein, pour s'y rendre hommage à un grand philosophe. Tu as fait du très bon travail en remaniant Oscar Orange, je l'ai dit, nous allons pouvoir, mais j'en ai rien à foutre d'Oscar. Je veux qu'il crève, j'ai faim, un bon steak. Trouver la plante des bois, d'accord, et il n'y a plus rien qui répond. Non, c'est un instant, il connaît, vous êtes... Ah oui, c'est parce qu'à chaque fois, c'est vrai, j'oubliais que... La réserve, c'est immonde, je ferais mieux de prendre Altaï. Putain, tu fais chier. Donc, il est où, Altaï? Deux secondes. Il y a un endroit où je peux savoir où il est, mon putain de cheval, ou pas du tout? Qu'est-ce que c'est que cette merde, franchement? C'est un RPG, totalement, Léa Passion Zoophile, pourquoi pas? On n'a pas le droit de faire cette blague. Ah ben non, bah, pas de blague dégueulasse ici, c'est, sérieusement. Ça pique les yeux, même moi qui ai les jeux, j'aurais préféré. Non, non, ah, ça ne pique pas les yeux. Ce jeu est totalement un jeu de l'amour. Alors... On me dit qu'il y a un symbole phallique sur la carte en 1, je vérifie. Effectivement, il y a une gigantesque paire de couilles. Strictement, aucun doute là-dessus. Elle est totalement là, la paire de testicouilles. Donc, où il est notre putain de cheval? Est-ce qu'il est dans le ranch, hein? Est-ce qu'il est dans le corral? Et si oui, ah bah merci. Hein, donc allez, on va monter le cheval. Par la croupe, hein, parce que moi je monte uniquement les petites pouliches par la croupe, hein, il faut le savoir. Et il y a un moment, quand on est une personne de goût, on fait ce qu'on sait faire. Q aider pour bouger la caméra, d'accord. Sauf que... Ah si, ça y est. Sauf que ça va à deux à l'heure. Hein. Les contrôles sont vraiment à chier. Vraiment, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on peut bouger. Alors, ça c'est la touche qui appuie sur Q aider. Hein. Ça c'est la main, hein, qui appuie sur Q aider. Vous pouvez constater qu'elle n'était plus sur la touche depuis à peu près 10 minutes. Quand ça continuait de bouger, parce que, vraiment, encore une fois, le contrôle qualité chez Ubisoft... On ne considère pas les Alexandra Lederman comme des produits de seconde zone. La preuve, on met de la caméra dynamique. Hein. Et accessoirement, je vous permettrai de noter que ce jeu donc s'appelle Alexandra Lederman, je ne sais plus quelle connerie avec les chevaux, en version française, s'appelle Horse Adventure en version anglaise, et le jeu s'appelle aussi Horses avec un Z, quand on le regarde dans les menus de Windows. Donc voilà, vers la forêt des séquoias, un peu comme une gigantesque mère de bites dans laquelle nous allons pénétrer. Et les bits, c'est un peu ma grande passion, un peu comme, je dirais, comment dire, Omar Sharif, justement, avec les chevaux, c'est incroyable, cette espèce de synergie produit qu'il se situe sur ce chat ce soir, sur ce stream, vous êtes en train d'assister à quelque chose d'absolument exceptionnel, et je vous remercie de faire partie de cette magnifique aventure équestre. Donc, hein, des putains d'équidés, hein, on va leur faire bouffer de la plante. La drogue, c'est important, le commerce de drogue. En France, un business qui représente plusieurs millions d'euros. Et il ne faut pas non plus eh bien, cracher sur les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Voilà la plante que voulait Sarah, j'étais pas censé en récupérer 3. Tu as besoin d'appeler ton cheval rapidement, tu peux l'appeler en sifflant, appuie sur Alt pour siffler. D'accord. Oh, on peut peut-être enculer un mouton. Ramenez-moi mon strapon, j'avais une idée là, j'avais un concept qui pouvait se mettre en place. On appelle ça la légionellose. Malheureusement, on va devoir passer à autre chose, mais les moutons, vous attendez rien pour attendre. Surtout celui qui remuait son petit boule. Là, attendez, je vais quand même lui passer le bonjour. Deux secondes. Toi là, qui fait genre de m'attirer près des arbres et qui arrête pas de me tortiller du cul. Un de ces quatre, tu viens avoir droit ma grosse. Tu vas y passer, je t'attends, hein. Arrête de faire la maline parce que tu vas finir avec les quatre fers en l'air si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tu vois ce que je veux dire. Je parle de mon chibre. Donc, reprenons. Allons au ranch. Hein. Une bonne vieille salade ranch.
à base de merde de cheval, c'est important. Je pense qu'on va pas jouer à ça très longtemps non plus, hein. D'ici 5-10 minutes, on va couper ce stream qui n'a de toute façon ni queue ni tête, vu que j'avais juste envie de faire ma vanne sur l'intro et ça s'arrêtait là, hein. On va quand même pas jouer à cette merde pendant 106 ans. On est d'accord qu'il y a rien, c'est moche comme un cul de laitier. Le jeu va à 2 à l'heure, le gameplay est chiant. Je préfère encore relancer Farming Simulator, ça n'est pas peu dire. Donc, hein, on va pas non plus passer la nuit sur cette merde. Puis après, hein, tout le monde, je sais très bien, bande d'enculés, que vous allez retourner faire regarder la fin de la run de Mister MV. Ce type n'a ni queue ni tête, il vient de couler la ZTV, mais c'est pas grave, tout le monde l'aime quand même. Personne ne sait pourquoi, hein, ça c'est les enculés de droite. Quand ils ont le pognon, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein, mais ça... Après, hein, quand ça chie sur Bob le Gob, on ne dit rien, tout le monde sait qu'il ne peut pas le blairer, c'est pour ça qu'il rejoint pas la chaîne, hein. Là encore, je ne lâche pas de scoop, mais on va arrêter de putasser sur les gens qui ne sont pas là, c'est important quand même, hein. On va continuer de regarder le cul de cette petite, c'est quoi cette couleur de cheveux en fait? Est-ce que c'est blond? Est-ce que c'est brun? On ne sait pas. Ils étaient 14 au moment de la conception, donc forcément c'est dur de faire le tri. Mais rentrons dans l'atelier de reproduction. Et quand on rentre dans l'atelier de reproduction, là ça commence à m'intéresser. Donc s'il vous plaît, hein, excusez-moi, je vais commencer à passer en mode B maintenant, tout doucement. Hein. Donc bienvenue dans l'écurie d'atelier de reproduction, tu vas pouvoir croiser des juments et des étalons. Vas-y. Ok, une jument dans l'écurie, ça m'intéresse. Oh oui, des petits chevaux aussi. Ça, c'est bien, les petits chevaux. J'aime bien ça. Choisir un étalon. Oh, oh oui. Direct. Ah, la petite pupute, là. Ouais, ouais, les choupis, celle-là. Oh, flocon. Flocon, là, on dirait une petite licorne. Ça, j'aime bien ça. Allez. J'espère qu'il y aura un jeu où on devra le retirer du... Comment ça? Attendez, vous déconnez. Non mais... Non mais attendez, c'est pas vrai, c'est une blague. Il y a même pas de... Non, non, on voit même pas la reproduction? Mais vous foutez de ma gueule! J'ai pas payé pour qu'on voit même pas de chevaux qui baissent quand même! Ah non, je suis déçu. Non, non, ah non, pas de ça chez moi, non, non, non. Ah non. S'il vous plaît, quoi. Je rêve, on voit même pas l'anus du cheval. Non, mais ça n'a aucun sens. Ah non, mais pitié, quoi. Mais vraiment, quoi, c'est vraiment pour faire plaisir, quoi, mais ça me fait mal. Ah non, mais ça n'a aucun sens. Alors du coup, on a fait la reproduction, la naissance et l'âge adulte en une demi-heure, c'est ça? Ou alors ils sont restés coincés là pendant trois quarts d'heure, les deux couillons? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Qu'est-ce que tu regardes? Attends, il y a un moment, tu veux me sauter moi ou tu veux la sauter elle? Tu veux un plan à trois? C'est quoi ton projet, là? Je te parle, couillon! Et rase-toi un peu, on dirait un sac! Ah non, mais je suis déçu! Ah, mais je suis déçu, quoi! Ah mais moi qui voulais présenter quelque chose, qui voulais vraiment mettre un beau produit devant vous, qui voulait vous offrir un stream de fête, voilà où on en est quoi. Ah je vous prie, on fait encore une mission et après je me barre. Hein. Ah non. Ah mais j'ai jamais été aussi déçu de ma vie quoi. Ah non, on fait un stream pour essayer de saucer les gens, on met un truc en place, Halloween, fête du fion, tout ça, costume d'infirmière à moitié à poil avec des boobs qui sort. Tu veux essayer de mettre un truc en place et puis voilà ce que t'obtiens quoi. Ah oui, attendez, il faut que j'aille au téléphone. Qui est placé à l'extérieur, c'est pratique, ça, remarquez. Qui ressemble à un cercueil, hein. Excusez-moi, je trouve Halloween là où il est, hein. J'essaye de faire un effort. Vous pourriez me filer un coup de main aussi, vous, sur le chat. Alors, je viens placer pour savoir si je peux rester chez Liam entre les compétitions. C'est Liam qui aimerait rester entre tes compétitions, si tu vois ce que je veux dire. Les juments de la réserve semblent avoir un problème préoccupant. Ouh, je voudrais les aider. Est-ce que c'est vaginal? Parce qu'auquel cas, tu prends un spéculum, un peu de savon et c'est bon. Donc, tu as beaucoup de chance. Liam et sa mère ont fait de Wild Mountain un vrai paradis pour le Mustang. Tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses auprès d'eux. Tiens d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Est-ce que tu as rencontré ta petite camarade Carla Von Bruni? Je m'en fous! Voilà, excusez-moi, hein, j'essaye de suivre le scénar, mais il y a un moment où je craque mentalement. Butez-moi ce coq! J'ai envie de viande!
Vous êtes vraiment deux petites putes, vous êtes même pas foutues de changer de fringue d'un jour à l'autre. S'il vous plaît, lavez-vous, prenez une douche, faites un effort, faites semblant que vous en avez quelque chose à foutre de votre hygiène corporelle. Un peu de respect pour les viewers, merde quoi. C'est quand même pas trop demandé que vous vous laviez entre deux jours et que vous vous couchiez pas avec vos fringues et que vous vous réveillez avec les mêmes. Est-ce que je stream dans les mêmes fringues que j'avais l'autre jour? Non, parce que moi je suis un professionnel, j'essaye de faire les choses proprement, j'essaye de montrer le respect du public et les choses bien faites. C'est quand même pas compliqué d'avoir le goût des choses simples. Erta, avec les saucisses à base de cheval. Donc, j'appuie sur Alt hein, depuis 20 minutes, mais c'était pas le bon Alt, hein, parce que faut quand même pas déconner. Encore une fois, coup d'œil sur le chat, hein, interactivité du stream. Sinon, barrez-vous chez Barry, ça c'est une idée. Amnesia fait vraiment pas peur. Sex Simulator après. Dark Polo, écoute, c'est une très bonne idée. Et je te propose de me rejoindre sur ma chaîne alternative hein, qui s'appelle Alababaman pour plus de streams de Sex Simulator ensuite. Ce sera après. À propos de chaîne alternative qui passe du Sex Simulator, Vulva, je t'attends. Hein. Je t'attends, petite pute, ramène ton cul. Où sont tes streams de l'interdit? Redonne des adresses. Où est l'usine Spanghero? Eh bien, écoute, Vulva, c'est une très bonne question que tu poses là. Et après tout, un bon petit steak haché de bœuf au cheval et au rat, c'est toujours ça de prix. Alors, donc, je pars par là, mais en fait, c'est pas par là qu'il faut que j'aille, parce que quel est mon objectif? Faire les soins du poulain au paddock. Non, je veux courir libre comme le vent! Here I am, this is me, there's nothing in the world I'd rather be... Ok, c'est bon, on se casse. Donc, si tu as compris cette référence, c'est que toi aussi tu as eu une jeunesse de merde, et auquel cas, je compatis. Le demi-tour en trois temps avec un cheval, on dit pas qu'on va le réussir, mais on va le tenter, et revoilà la sous-préfète, et du coup, allons apporter les soins du cheval avant de quitter ce jeu de merde, et de couper ce stream qui a été fait, comme vous l'avez compris, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Deux amis pour la vie, un peu comme les produits laitiers. Donc, parce que simuler une crise d'épisiotomie, c'est aussi très important. Quand vous jouez à un jeu vidéo, je vous conseille de le faire. Je le fais, moi, l'épisiotomie, c'est une de mes grandes passions dans la vie. Ça et le macramé. Donc, ami, un ami pour la vie. Où est Clitoria, au fait, hein, notre belle peluche Pas de trace de Clitoria, j'ai très peur. Clitoria, tu nous manques. Clitoria dans nos cœurs. Je veux un t-shirt Clitoria Forever. Alors, observez. Oscar est timide, tu as apprivoisé Oscar, oui, ça c'est bien. Propreté, ah oui, carrément, ok. Aime les fruits et les bateaux, il est obstiné. Très bien, qu'est-ce que je suis censé foutre? Je ne comprends pas. Ah, alors attends, c'est peut-être lui, hein. Soigner, ouais, veux-tu soigner ton poulain? Non, j'ai appuyé sur entrée pour déconner, connasse. Oui, bien sûr que je veux soigner mon putain de poulain, vu que tu m'y obliges. Est-ce que c'est difficile à comprendre que je veux essayer de faire l'émission de ton putain de jeu? Est-ce que je suis le premier mec qui essaye? Auquel cas, ça ne m'étonnerait pas. Choisir un soin, brosser, laver. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Putain, ce que t'es laid, t'as des plaques de poils qui manquent, c'est dégueulasse. Brosse douce, car je suis un homme romantique. Déplace la souris pour brosser le cheval. Ok, 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 je m'en fous. Saloperie, cochon. Ah, oui, se faire lustrer le poil, c'est aussi ça le romantisme. N'oubliez pas, hein, si jamais vous avez une ex hein, ou une copine ou une petite amie, enfin ça m'étonnerait parce que qu'est-ce que vous fouteriez là si c'était le cas? Alors j'essaye de rebouger ma souris, malheureusement rien n'y fait. Alors, tu me parles encore sur ce ton-là une fois et je te reviens. Je t'amène directement à l'usine Spanghero. Alors. Brosse sale, appuie sur le bouton gauche et secoue la souris. Trop de gameplay! Trop de gameplay! Je ne sais plus où donner du zboob. Et maintenant, il brille partout, c'est magnifique. Il brille dans la nuit. Magic Light! Magic Light! C'est magnifique. Félicitations, Oscar a une belle robe brillante et soigneuse. Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis heureux! Maintenant, tu voudrais pas te laver non plus, salope? Non, je parlais pas au cheval! Donc, hein, on va laver Oscar, qu'est-ce qu'on a? Gants synthétiques, gants soyeux, gants de velours, gants de laine, gants de satin. Gants de satin, car je suis un gentleman et un cambrioleur. On va te faire une petite beauté. Hein? Mais non! Mais non! On a dit qu'on lui faisait une beauté! Je crois que ma souris vient de mourir. Oui, ma souris vient de mourir. Je ne sais même pas comment je vais arrêter ce stream maintenant. C'est magnifique.
En tout cas, il est grand temps de l'arrêter, hein, parce que là, ma souris vient de mourir. Ah, attendez. Attendez. Ah, ok. Bon, toujours est-il. C'était un stream d'Halloween, placé sous le signe d'Halloween. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez eu peur. Ah, franchement, je pense que je vais retourner boire. Hein ? C'est bien de boire. Et me droguer, peut-être. 3 en analyse, 4 en passion. Merci, Nécrobilly, ce sont les notes que j'attendais. Je pense qu'il est temps de vous offrir un dernier cadeau. Un cadeau à la hauteur de l'événement. Allez, salut les mecs!